Et bienvenue sur DZ Vision. Aujourd'hui, on va parler du match entre le Bénin et la Guinée-Bissau. Mais avant de continuer, merci de vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être notifié de toutes nos nouvelles vidéos. Dans ce groupe F, on a toujours le Cameroun qui occupe la première place avec 4 points. On a le Bénin qui occupe la deuxième place avec 2 points en égalité avec le Ghana, 2 matchs nuls. On a la Guinée-Bissau qui est le dernier de ce groupe. On va parler du match entre Bénin et la Guinée-Bissau. Donc le Bénin n'a pas du tout profité, pour obtenir les 4 points, et la Guinée-Bissau qui s'en félicite parce qu'ils ont tenu tête à une équipe qui avait tenté le tout pour obtenir les 3 points, mais malheureusement ils n'ont pas arrivé. Et vraiment la Guinée-Bissau, félicitations, parce que vraiment, c'est une équipe qui a quand même défendu jusqu'à la dernière minute, qui a quand même pu permettre à cette équipe toujours d'espérer, parce qu'il reste toujours dans la compétition, parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver, ce qui va se passer par après, parce que dans ce groupe F, c'est toujours serré. Parce qu'on a le Cameroun qui occupe la première place avec 4 points. Et Bénin et Ghana toujours en égalité de points, 2 points, partout. Mais ce qui est sûr, si la Guinée-Bissau arrive à obtenir 3 points lors de la troisième journée de la CAN 2019, et que le Bénin ou le Ghana arrive à perdre, l'une arrive à perdre, la Guinée-Bissau va passer, et c'est très très serré, c'est vraiment serré. Et comme vous voyez les actions, le Bénin a tout fait pour obtenir les 3 points, mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas arrivé. Et voilà, dans ce groupe F, on aura de belles actions, parce que c'est vraiment serré, c'est vraiment serré, il faut le dire, c'est serré, c'est extrêmement serré. Dans ce groupe, on ne peut rien dire encore, sauf après les matchs de la troisième journée, là on peut pronostiquer quelque chose, parce que c'est un groupe qui est vraiment serré. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et mettez-moi en commentaire vos impressions, et surtout partagez, likez et commentez. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.